Romain, je te laisse te présenter, peut-être que certains d'entre nous vous ne le connaissent pas. Ouais, je m'appelle Romain Quillès, je suis guide de pêche en Ariège et du coup ben aujourd'hui une petite vidéo particulière et très sympathique j'espère pour vous avec Léo et Alexis pour vous montrer un petit peu comment on peut faire du poisson un peu partout quand on connaît de 1 très bien ses rivières, enfin, ses parcours de pêche. Ensuite quand on est multitechnique, pas besoin de les maîtriser extrêmement bien, mais juste au moins de savoir pêcher un petit peu. Et aujourd'hui, ben, on va utiliser du leurre, on va utiliser du toc à la nymphe, aux appâts naturels, de la nymphe au fil. On va essayer de pêcher en mouche sèche aussi. Enfin voilà, on va essayer de pêcher un peu à tout sur plusieurs rivières. On va aller sur l'Ariège, le Vic de Sceaux, la Rize, le Salat, deux endroits différents, bien distincts. Au moins ça, on va essayer de faire au moins 5 spots différents voilà, et d'adapter la technique en fonction donc, du cours d'eau et aussi du comportement du poisson, puisque d'un cours d'eau à l'autre, il va être très différent. Parfait, bon ben on va se mettre à l'eau et puis c'est parti. Allez. On a la rivière juste là, on va pouvoir commencer. Allez, premier poisson pour Alexis, ça a l'air d'être un tank. Big Mama ? Travaille-la doucement. Faut qu'elle retourne au large pour remonter. Bon, comment tu travailles un poisson comme ça? Ah, parce que moi je sais jamais les comment faire. Parce que là le risque c'est qu'à descendre. Est-ce que tu as une solution? Ah ouais, c'est sûr. Surtout ne tire pas trop, ouais. Ça fait quand t'as besoin. Là le courant il est trop fort, tu peux plus descendre. Tu vas t'en mettre jusqu'à dessus les. Par contre elle peut encore descendre et si elle descend tu la perds, c'est fini. Ouais. Si tu tires avec la canne haute, elle avec, s'appuie avec les nageoires sur le courant qui est plus fort en surface. Okay. Donc là le but ça va être de mettre ta canne, toujours bien tendue, mais ta canne le plus au ras de l'eau possible. Voilà. Et de délicatement venir là. Elle va... Regarde, tu vois elle commence à venir. Et tu vas lui tirer un peu sur la gueule, doucement, mais pour qu'elle vienne se mettre dans cette veine-là. Au début, j'ai mangé, je sais pas comment les conseils. Alors là, tu peux pas trop la laisser faire. Il faut qu'on ferme un petit peu, quitte à casser, mais on est dans une... Ouais. Le truc c'est de, au début de ne pas se laisser embarquer. Ouais, quoi, t'as vu, et j'ai vu que tu descendais vite. Justement, je ne sais pas comment les contrôler. Bah, tu aurais fait ça dès le début, ça aurait évité en fait qu'elle parte. Fais gaffe, chaque fois que tu moulines, tu remets un ferrage. Voilà. T'as vu petit à petit, elle vient se mettre là dans la veine de courant. Elle va repartir. J'ai bien envoyé un peu mâché, peut-être qu'elle va pas nous voir, mais ça va être de la positionner, de la mettre dans le calme. Elle en a encore plus. Nous, pas plus fort que nous. Je donne du fil. Je donne du fil.
Bravo. Il est super mec. Tiens, je te tiens là. Je mets un peu plus au soleil. Là, là, là. Voilà une belle truite. Ça va faire quoi, 50 ça? Elle est pas loin. Hein. Elle est pas loin. Et on la remet un petit peu, c'est bon. Hop. Tu veux la mesurer ou pas? Oh. Okay. 48, elle est longue en fait, ouais. C'est ça. Mmh. C'est pas mes gueules là. Cool, magnifique. De toute façon, sous l'eau, on verra pas grand chose. Oui, tout le monde. On va la rocher dans le feu courant là. On va la reposer un peu. Voilà, on va se poser un peu. Bravo, allez. Mais cool. Merci les conseils. Bah alors explique-nous comment tu l'as fait. En fait j'ai pris le poste d'Alexis, parce qu'il était apparemment bien placé. Je suis passé assez profond, l'eau est plutôt fraîche. Et après quelques dérives, ben, elle a piqué sur la nymphe. Donc, vous voyez, elle avait le choix entre le ver de terre et la nymphe. Alors vous avez vu le poisson, en fait dès que je l'ai touché dans la main, j'ai pris avec du bout des doigts, j'ai pris la nymphe et je l'ai décroché très rapidement. Comme ça elle sort pas de l'eau, etc. Elle est repartie, elle est en super forme. Pour vous, c'est pas terrible, vous l'avez pas super bien vu, mais pour elle, c'est le top. Elle est plus jolie, ouais. Ouais, elle est plus correcte. Elle est plus jolie que les deux que j'ai prises avant. Pas vrai, tu vois. Elles ont l'air de se réveiller là. C'est juste pourquoi tu l'as. Tu l'as eu ou pas, tu crois? Non. C'était juste au-dessus. Dès que je mets le truc à ras, elle vient. Voilà le but quand on a un poisson qui est
quand même joli, c'est toujours passé à son aval. Vous allez voir que c'est le courant qui va me le mettre dans l'épuisette. Parfait. Allez hop, Alexis pendu. Super. Oh putain. Ah bah là. C'était gros en plus. Ah, ah bah là t'as des coussins. Ah oui, c'est sûr, j'ai mis une détention. Ah bah la perte de tension là, elle était magique. C'était gros encore. C'était... Bon. Peut-être que ça se réveille. Le plus dur ça va être de partir du coup. Ouais. Oh le micmac, mais elle est pas si grosse que ça, qu'est-ce qu'elle m'a fait? T'as vu? Alors. Je décale là juste un peu vers la gauche. Parfait. Oh le steak. Ouais. Ah ouais putain. Je m'attendais pas à ça. Je l'ai fait venir. Ça fait un combat de merde. Voilà. À mon avis, elle avait encore du jus. Ouais. Mais comme elle était dans le trouble, elle a récompris. Beau poisson de au moins 50, bien comme il faut. Super. Bon voilà, on vient de changer de rivière, du coup on va essayer cette fois, Romain va pêcher en sèche. La rivière est petite, moi je vais juste on va juste le filmer, on va juste le regarder. Essayer de voir si on arrive à faire monter quelques petits poissons en sèche et si ça marche pas, peut-être on décalera en nymphe. En sèche nymphe après ou en nymphe, on verra effectivement. Et j'espère que ça va bien fonctionner en sèche. Voilà. Petit toon. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour réussir à les déclencher du coup? Gratter le fond. Donc ça veut dire que depuis tout à l'heure on pêche pas assez lourd, tout simplement. Voilà. Par feignantise. On n'a pas changé la nymphe alors qu'on aurait dû mettre plus lourd. Là, Romain est passé en nymphophile avec la canne à mouche. Ça a pas mis longtemps. Ouais, mais elle est trop petite. Mais elle est petite, ouais. Elle est partie. Bon alors. Et bien pour ce petit cours d'eau, ben les petites étaient dehors mais pas les grosses. Donc voilà. Ce matin l'Ariège on avait des jolis poissons. Et là ça voulait moins. Ouais, bon on va aller voir sur l'huile de saut alors. Ok, ça roule. Allez, parti. Thank you.
début. Maintenir proche du fond ou décoller du fond? Proche pas vilain. Ah. D'après-midi, on est allé, on essaye le salat parce qu'on a estimé que pour une pêche au leurre, ça pourrait être bien. Voilà, et puis on va voir. Il y a un peu de jus, ouais. Ah, je l'écoule moi-même, hein. Je peux te garantir que aligné là, il y en a un paquet. Oh non mais c'est dingue, hein, je prends 10 touches par dérive quoi. Ah oh, j'avais. Que je te dis qu'ils sont là et que... Là, j'ai senti le faire rentrer quand même. C'est déjà mieux. Oh non. Enculé dans le bouillon. Elle se fait malmener là. Enculé. Elle est pas vilaine, oui. Validé. Yes. Validé. Je peux essayer? Oh oui, oui. Attends, j'essaye d'avancer un petit peu. Vas-y, vas-y. T'as vu, elle dit ça, ouais. Avec le petit vent qu'il y a, la bannière, c'est ça qui est le plus dur. C'est un retard au ferrage qui est super galère. Ouais. Mais il n'y a pas trop le choix, là. Ouais, pour essayer de contrer un peu le vent et de garder le maximum de tension.
T'as vu ces pralines? Mais j'en ai loupé au moins 15. Oh la pute. Mais t'en piques, tu sais, je t'en pique une sur 10. On voit bien la différence entre les cailloux. Ah oui. Ah oui. Boah. Tu prends une décharge quand c'est une truite. C'est frustrant, hein. J'ai cru qu'il allait sur le balcon. Tu l'as. Décroché. C'est chaud, hein. Mais elles y sont, elles sont bien actives là, Holler. Chaque dérive, il y a un poisson qui tape. C'est débile. Ça va loin, hein. Regardez. Bon voilà, le soleil se couche, fin de cette belle petite journée. Bon alors, ouais. Bilan. Bah c'était plutôt sympa. Parce que t'en penses toi, mais... Ah moi je me suis régalé. Ouais, moi aussi, on a commencé fort finalement, puisque bon, on a attaqué l'Ariège et ça l'a fait. Après c'était un peu plus compliqué. Ah, ça vient de gober. Joli gobage là devant. Ben justement, on va finir notre soirée sur un petit coup du soir en sèche, on va essayer, puisque c'est la seule technique qu'on n'a pas réussi à... À valider. Ouais. Technique qu'on n'a pas réussi à valider, on aura fait du nympho toc, du nympho fil, du nympho au fouet et sur des cannes à toc. Ouais. Du leurre, rapidement mais validé. Mais validé quand même. Le leurre. Ouais. Plein de rivières différentes, rivières de l'Ariège, du département. Ouais. Donc voilà, pour moi, même sans le coup du soir, là, c'est déjà validé ce petit défi qu'on s'était lancé de faire une journée sur plein de rivières, plein de techniques différentes et d'adapter donc. La technique à la bonne rivière au bon moment par rapport à l'activité des truites fario sauvages. Voilà, donc c'était bien sympa. Donc Romain, je vous mets bien sûr en description son contact si vous voulez prendre une journée de guidage avec lui. N'hésitez surtout pas, vous pouvez apprendre plein de choses, j'en suis sûr. En tout cas, nous on va voir s'il y a encore quelques petites truites qui gobent avant de rentrer et on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez,